communication holotélépathique avec Aldaïra et Romy du 5 décembre 2020 vers 12h45. Question au sujet du vaisseau Anaïs du sanctuaire Temple de Sainte-Anne. Je voudrais avoir quelques éclaircissements sur la présence du vaisseau Anaïs qui stationne au-dessus du sanctuaire Temple Sainte-Anne depuis le 11 novembre 2020. Je t'écoute. Que désires-tu savoir? Ce vaisseau m'a été présenté comme un vaisseau hybride, accordé à la fois sur des fréquences non humaines et des fréquences humaines. Est-ce correct? Oui, cela est correct. Il est une émanation de la collaboration Amitié Humano-Stellaire que vous avez développée depuis quelques mois avec notre médiation. Lors de ma vision en perception intérieure, j'ai discerné une structure sphérique, une forme de globule, qui m'a été présentée comme un corps, un noyau, conscient et vivant, animant le vaisseau. Pourrais-tu mieux m'en préciser la fonction? En effet, ce noyau, ou encore corps, comme tu l'appelles dans ton langage, est la conscience bioplasmique vivante du vaisseau avec laquelle tu communiques. Quand tu résonnes avec sa fréquence, il est, comment dire, l'âme consciente du vaisseau qui est de nature hétéro-organique. C'est une véritable entité, d'où le nom personnel d'Anaïs qui t'a été communiqué. Lorsque je m'intrigue avec ce noyau, je reçois comme des émotions de joie, d'extase, de paix, comme une belle émanation de bienveillance. Oui, le vaisseau Anaïs est ta propre âme, commence à fusionner, ce qui permet par une résonance que l'on pourrait appeler intime, des échanges de flux d'informations quantiques et des flux de métaparticules superlumineuses qui réencodent tous tes tissus organiques ainsi que ton ADN. Dans ce cadre de notre projet ION, est-ce que le vaisseau Anaïs peut être considéré comme un prototype d'une nouvelle flotte stellaire de collaboration humaine et stellaire? Dans votre sorte de créativité imaginative, il est en effet le premier artefact, une coopération interdensité entre humains incarnés en troisième densité et des civilisations stellaires de densité supérieure. C'est vraiment une grande marche sur l'escalier de l'évolution coopérative qui est en train d'être franchie par votre culture. Merci Aldaïra de toutes ces précisions. Que la paix de Vega vous accompagne.